Première chose, que vas-tu faire? Le beurre. Mets 80 g de beurre à fondre. Faire attention que le beurre ne brûle pas. Mélange bien. Maintenant, tu fais quoi? Je vais mettre les poireaux. Tu vas incorporer les poireaux, les mettre à suer. Vas-y. Laura, suer. Est-ce que tu te souviens du terme suer, Laura? C'est donner de la coloration? Non, c'est enlever l'eau de végétation du légume sans coloration. Vas-y, mélange bien. Maintenant, Dimitri, tu vas incorporer 2 litres d'eau dans ta russe. Tu vas mouiller. Je mets 2 litres directement. Vas-y, directement. Bon, Dimitri, maintenant, tu mets une poignée de gros sel. Maintenant que nos poireaux ont cuit un quart d'heure, tu vas incorporer tes pommes de terre. Très bien. Bon, tu enlèves ta spatule et on va laisser cuire 35 à 40 minutes. Et dans 40 minutes, nous viendrons avec le mixeur plongeur pour mixer le potage. C'est bon. Donc notre potage est cuit, 45 minutes de cuisson. Tu vas l'enlever du feu, Dimitri. Voilà. Tu vas maintenant mixer avec le mixeur plongeur. Voilà, Dimitri, le potage est mixé maintenant. Tu vas débrancher ton mixeur et le poser dans la plaque à débarrasser pour éviter de salir ton plan de travail. Il nous reste une opération. Laura, c'est quoi l'opération qui reste à faire? Le passer au chinois. Le passer au chinois. Vas-y, Dimitri, passe ton potage au chinois. Voilà, tu vas prendre maintenant ton pochon et tu vas fouler délicatement pour faire passer le potage. Très bien. Une fois que le potage va être passé, on va devoir le conserver jusqu'au moment du service. Laura, Gladys, on va faire quoi pour le conserver jusqu'au moment du service? On va le mettre au bain-marie. On va le mettre au bain-marie. Un bain-marie, c'est quoi, Laura? C'est dans un bac avec le bahut. Le truc, il y a de l'eau. On va mettre de l'eau dans une plaque à débarrasser et on va poser notre bahut dans la plaque avec de l'eau sur la plaque au feu pour le conserver à plus de 65 degrés au chaud jusqu'au moment du service. Là, pour éviter de tout salir, tu mets ton petit pochon sous le chinois et il ne reste plus qu'à mettre le potage que nous venons de réaliser.